quel droit peut-on se faire de la morale des dépositaires et légitime pour se liguer contre une star lui décernée la palme de la dangerosité pour une attirance proclamée devenue un peu désertée des mères un peu mercantiles désertes. Elles ne seront pas inquiétées de la voir un peu chargée lors du procès. Surtout que pour ces sujets à l'égard de la société, il est de bon ton de s'indigner. En vertu d'une virilité dont les garçons se font injecter pour une putain de tradition par des pères désireux de les voir se conduire en vrai de vrais garçons, faudrait surtout pas être ignare d'une balle populaire qui roule sur le terrain et être admis par les siens, même quand on voit comment ça dégénère. Mais à l'instar du football, c'est tellement bien d'être molle, il est de bon ton de se passionner. Moi qui aime la diversité, je reconnais aussi être attaché à la vertu d'une loyauté. Et quand, parti pour gagner, légendaire pour être controversé, un parti a le malheur d'ameuter, oui mais c'est le jeu, un peu trop d'électeurs. On sort sa carte de magouille, à grand renfort d'alinéa, on préférera avoir quand même remporté dans un honneur de fripouille. Et comme ça, l'ennemi ne passera encore pas, elle est belle la dignité, il est de bon ton de se dégonfler. Quand un mec se voit réduire à une quantité adoptable, remarque, l'avec a pas s'inscrire, ça fait sourire le populo. Mais si un jour un autre site ça visait de vanter les mérites d'adopter une petite adorée, alors là tu peux déjà voir tout de suite appliquer une armée de pseudo-associations légitimes pour caresser les principes des simplistes. Et comme ce sont ceux-là qui maintiennent le marché, alors aux yeux de la société, il est de bon ton de s'indigner. Et contre cette chanson, là aussi il sera de bon ton de s'indigner.